Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Je fais musique et compagnie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Stable Online. Ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, donc on va aller acheter le nouveau Mustang que je n'ai toujours pas vu. On va faire la nouvelle course de Miss Fall et la course durée limitée qu'il y a au ranch Starshine avec Guillermo, je crois. Donc c'est parti. Et il y a aussi des nouveaux équipements dans la boutique. Et il y a une nouvelle fonctionnalité pour ceux qui jouent sur Android et tablettes que je vais vous montrer après. Donc cette course nous rapporte 150 XP pour le cheval. À droite. Pardon. C'est parti. Ça commence bien. Après, pour ces courses-là, en général, faut pas aller trop vite. Et moi, je fonce. Donc, on va ralentir un peu. Mais elle était pas déjà là à un moment donné, cette course. Elle me dit un truc. Sérieux? Cette course me dit un truc. J'ai l'impression de l'avoir déjà faite. Mais bon, là, on peut rester tout droit en soi. Et voilà, c'est une petite course sympathique. Après, je crois qu'on l'avait déjà eu cette course, mais je suis pas sûre. Voilà, 150 d'XP pour le cheval. Voilà. C'est sympathique. Après, bon, c'est une petite course, voilà, rien de bien fou. Donc, pour la nouvelle fonctionnalité sur Android et tablettes, on peut remplacer le joystick par des boutons gaucher, droite. Ok. Et ça bug un peu, ça bug un peu. On va faire une reconduite pour voir si ça arrange le truc ou pas. Je vais me déconnecter et me reconnecter parce que ça a pas du tout arrangé le truc, donc ok. Après sur tablette et Android ça bug encore un peu hein, le jeu, mais bon. Me revoici, me revoilà, et voici les nouveaux boutons. Donc comme ça nous fait pas jouer avec le joystick. Et on va voir si c'est mieux. Alors désolé si vous entendez un peu de bruit derrière, c'est mon chat qui est venu me faire un câlin. Ok, donc il y en a 6 en tout, dont un en Forpinta, je ne sais pas si on les a tous là. Ah. Alors, sur la note de mise à jour, c'est écrit qu'on en a 6. Et là, il y en a 3, 6, 6 et 2, 8. On en a 8. Donc, est-ce qu'ils en ont rajouté entre-temps? Je ne sais pas. Bref. Alors, nous avons tout d'abord un Mustang à la robe un peu de spirit. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il est mignon. C'est Isabelle un peu foncée. Ouais, c'est sympa. Après, il n'a pas de marquage spéciaux, hein, mais il a les yeux noisettes. Et voilà. Ensuite, on en a un Appaloosa, comme celui que j'ai déjà en génération 2. Et il est super beau. J'adore sa tête. Il est trop mignon. Il a les yeux bleus en plus. J'aime beaucoup trop ce poney.
Enfin, ce cheval, pardon. Il est trop beau. J'aime trop. Voilà. Oh, il sourit. Il rigole. Voilà, j'aime trop celui-là. Il est trop beau. Bon, après, je l'ai déjà en génération 2, mais. Ah, si, il est super beau. Ensuite, on en a un tout noir. Il a juste une petite tache sur les naseaux. Il a les yeux marron, noisette, du coup. Voilà, c'est un noir classique. Mais il est beau. Il est beau, il est beau. Je vais tous les okay. Je vais tous les acheter, les Mustangs. Trop, trop beau. Ensuite, on en a un Pi. Celui-là, il est magnifique. Il est magnifique aussi. On en a un Pibé. Pibé, il a les yeux noisettes. Il est super beau celui-là aussi. Je suis en train de craquer pour les Mustangs. Il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Pardon. Oh, il est beau. Il est beau. Ensuite, on en a un Pie gris. Avec, il est un peu. Enfin, il a des rayures sur les pattes. Après, il a pas beaucoup de taches. Et il a une grosse liste, il a les yeux bleus. Celui-là aussi, il est super mignon. Oh, trop mignon. Et il a un petit trait là sur les épaules, je sais plus comment on appelle ça. Mais après, il a des petites taches. On dirait, enfin, c'est un peu vert bleu, on dirait du moisi un peu. C'est bizarre. Ah bon, bah en fait, il est plus si beau que ça, mais j'aime beaucoup sa tête. J'aime beaucoup sa tête, mais ouais, il a des taches un peu vert-bleu, je comprends pas pourquoi. Ensuite, on en a un peu. J'allais dire rouen, mais je suis pas sûre. Il est super beau, il a des petites taches sur le dos et la croupe. Il est super mignon, voilà. Il a les yeux noisettes. Oui, noisettes. Voilà, très mignon aussi, j'aime beaucoup. Il a un peu de blanc dans la queue. Voilà, et très mignon aussi. Ensuite, on en a un crémello, je dirais, crémello. Les yeux noisettes, bon voilà, il est classique aussi celui-là. Mais il est très mignon, j'aime bien. Et ensuite, on en a un Isabelle, mais un peu plus clair que l'autre. Très mignon, les yeux noisettes. Voilà, il est mignon aussi. Il a des petites pommelures, celui-là. Voilà. Bon. Celui que j'aime le moins, je dirais que c'est. Non, je dirais que c'est celui-là parce qu'il a des petites taches un peu bizarres. Après, mon préféré, celui-là ou celui-là. Mais je pense que je vais prendre lui. Ou lui, je sais pas. Voilà, je prends celui-là, comme ça fait spirit. Non, je rigole. Ah non, celui-là, j'ai craqué sur celui-là. Il est trop beau. Super beau. Bon, changement de crinière. On va voir. Donc ça, c'est la crinière de base. La crinière un peu frisée, je dirais. Ouais, c'est ça, un peu frisée. Ouais. La queue aussi, elle est frisée. Ensuite, on a le punk. Ok. Ensuite, on a la crinière rasée. Presque sans crinière, quoi. Pas très. Voilà. Ensuite, on a les tresses. On a les pions aussi. Sympa la couleur de la queue avec la tresse. Et la crinière courte, et moi je vais lui laisser sa crinière normale. Voilà, parce qu'il est trop mignon comme ça. Voilà, donc il a 900 Star Coins. Bon, on va le faire jeune.
jeune et on va dire que c'est un étalon et je vais l'appeler Ghost quelque chose parce que l'autre c'était Ghost Rider que je l'avais appelé. Merde. Et donc j'aimerais bien faire un truc un peu pareil. Je pense que je vais juste l'appeler Ghost, ce cheval. C'est où les G, là? Ghost. Ghost. Voilà, donc Ghost, quoi. J'ai déjà un cheval qui a ce nom-là. Ah ouais, Ghost. C'est moi, Flinger. Un Flinger, bref. Oh non! Au pire, ouais, je l'appelle Ghosty. C'est mignon, Ghosty. C'est drôle en plus. J'aime bien. Ghosty. Bon, un jeune étalon qui s'appelle Ghosty. C'est pas mal. Ça va, j'aime bien. Et 900 starcoins en moins. Il est beau. En plus, c'est même pas un câlin wifi. Bon. On va le monter maintenant. Il est beau. J'aime trop. Ses yeux, on dirait qu'ils brillent. C'est trop mignon. Il est trop beau, ce cheval. Global. Donc on a des nouveaux équipements western et un nouvel équipement, normalement à 1 shilling, j'en vais quoi? Ils ont dit sur le site, mais je crois que c'est pour la cavalière. Donc on a des nouveaux équipements western qui sont là. Bon, ça on l'avait déjà vu, je crois. Voilà, donc c'est des nouvelles brides. Ça on n'avait pas vu, donc ouais, c'est ça. Des nouvelles brides, donc on en a une cuir rouge, ensuite on en a une noire et brun, ensuite on en a une beige et brun, on en a une cuivrée orange, on en a une grise et blanche, on en a une toute noire,
Une rouge et brun. Et une bordeaux et brun aussi. Elles sont sympas, mais elles sont un peu chères. En vrai, celle-là, elle va bien à Auguste. Elle se voit pas trop. Ça passe crème. Bref. Et ensuite, on a des équipements western aussi. Et l'équipement à 1 shilling, j'avais quoi? Ça, on avait déjà vu. Donc, ma petite cavalière, est-ce qu'on peut te voir? Merveilleux. Donc, le nouvel équipement à 1 shilling, Jorvikois. Et comme ça, en vrai, il est super sympa. J'aime beaucoup le style. Parce qu'en plus, on n'a pas beaucoup de trucs kaki. Donc, vous savez quoi, je vais le prendre. Parce qu'il est beau. Voilà. Je prends. Je prends. Ça aussi, je prends. Ça, je prends. En plus, c'est vraiment pas cher, donc autant le prendre. Et ensuite, on a un polo rose. Ok. On a un chapeau western un peu brun et rouge. Avec les gants qui vont avec et les chaussures qui vont avec. On a la même chose en noir et brun. On a la même chose en Isabelle et brun. Pour aller avec les nouveaux équipements, je pense. La même chose en cuivre et orange, Isabelle. Et on a la même chose en blanc et gris. Blanc et gris que je vais prendre parce que je pense que je vais prendre la bride. La bride blanche et grise. Par contre, j'ai pas le tapis, la selle qui va avec. Et je sais pas trop quoi mettre en pantalon et en t-shirt. Mais. Ah, mais non, mais. Mais. Ah, bah attendez, j'avais pas fini. Il y a tout noir aussi. Il y a rouge et Isabelle. Et il y a rouge et brun clair. Voilà. Bon. Après, ça fait un peu cher. Et des nouveaux équipements, toujours des nouveaux équipements. Faut toujours que je dépense. Donc voilà. L'inventaire est plein, génial. Ok, nous sommes de retour au ranch Starshine pour la course de Guillermo Gadea. Donc, c'est parti, on va la faire. Ouais, bon, ça c'est comme d'habitude. Une balade sauvage en pleine nature autour du ranch Starshine. Tu peux la faire avec un Mustang, un Appaloosa ou un Tennessee Walker. Ok. 500 d'XP! Excellent. C'est une balade, hein? Ouais, une balade. Ah non, regardez là-bas, on sort, à gauche. Ça peut être une course vachement sympa, n'empêche. Ah non, tout droit. Ou à droite. Non, 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 non. J'ai cliqué sur le bouton. Les boutons, ils sont pas assez gros. Non, je plaisante. C'est juste moi qui... Voilà. Qui ne joue pas bien. C'est bon. C'est bon. Waouh! C'est bon. Les obstacles, ils sont beaux. J'aime bien. Bon, mais j'ai cliqué sur saut. Bon, tant pis. La pierre, on ne l'aura pas sautée. Ok, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Nickel. Oh, il est beau celui-là. Les pierres comme ça. On dirait les pierres dans Minecraft. Les pierres avec la mousse. Enfin, je sais pas si ça a changé depuis, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Mais la dernière fois que j'y ai joué, la texture de ce bloc-là, elle était comme ça. Wouh! On a failli se cogner la tête à la barrière.
Un peu dangereux tes obstacles, hein? Enfin, celui-là, là. Il est dangereux. Non, je les tourne. Je les fais tourner en plus. Allez, allez, vite, 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 vite. C'est bon. Cet obstacle-là, il était de la même couleur que mon équipement. C'est bon. On a réussi. Elle est sympa cette course, hein. Elle est sympa. Bon, par contre, je crois que je vais remettre le joystick parce que les boutons ils sont petits, donc je préfère m'embêter avec le joystick à pas savoir tourner que me planter les courses. Ah, on avait débloqué la longe. Wouh! Trop beau le cabré. Par contre, la fille elle bouge pas dans le cabré. Ou c'est juste parce que. Ah, d'accord. Ouais, en fait, elle se tient très mal pendant le cabré du Mustang. Ouais, en fait, elle se tient même pas du tout. Bref, l'animation spéciale, est-ce que. Je peux pas la faire? Pourquoi je peux pas la faire? Ah, faut débloquer. Mais. Je comprends pas tout à l'heure. Ah, j'avais fait la revue des allures de cheval et j'avais pu la faire. Wow, ok. Après, je sais pas s'il y en a une autre d'animation spéciale, je vais regarder. Bon, du coup, je comprends pas parce que je viens de regarder cette vidéo qui est la vidéo de l'annonce des Mustangs. Donc il n'y a pas de tour, donc d'autres tours que celui que je vous ai montré. Donc déjà je comprends pas pourquoi il y a un truc à débloquer au niveau 7 tour spécial. Enfin du moins dans la bande-annonce il le montre pas. Et je comprends pas parce que le cheval Pigris, sur la bande-annonce, il a pas les taches vert bizarres. Donc je comprends pas pourquoi moi en jeu je l'ai avec des petites taches vert bizarres. Voilà, c'était juste pour dire ça. Attendez-vous à ce qu'il y ait une vidéo des Mr. Coins où j'achète que des Mustangs parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Bon, peut-être pas à ce point, mais ils sont très très beaux. J'aime beaucoup cette robe et en vrai, il n'y en a aucun que je déteste sauf le. Enfin, je le déteste pas, hein, mais c'est juste qu'il est un peu bizarre avec cette tache un peu verdâtre. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde!